Esquive réussie. Moissonneur évité. Saut SLM réussi. Esquive réussie. Moissonneur évité. Moissonneur évité. Saut SLM réussi. Moissonneur évité. Saut SLM réussi. Moissonneur évité. Saut SLM réussi. Esquive réussi. Quelque chose. Moissonneur évité. Saut SLM réussi. Esquive réussie.
Moissonneur évité. Saut SLM réussi. Esquive réussie. Moissonneur évité. Esquive réussie. Moissonneur évité. Saut SLM réussi. Esquive réussie. Moissonneur évité. Saut SLM réussi. Esquive réussie. Moissonneur évité. Saut SLM réussi. Esquive réussie. Moissonneur évité.
SOSLM réussi. Esquive réussie. Signal confirmé. Let's go.
détecté aux coordonnées d'atterrissage. Joker, qu'est-ce qu'on a ? Les capteurs montrent un moissonneur au complexe du voile. Vous n'arriverez jamais à y faire atterrir une navette. Tout le monde dans le centre de commandement. Gardez un contact visuel avec le voile. Compris, chef. Nouvelle forme de moissonneur. Utilise voile pour empoisonner l'atmosphère de Tuchanka. Problématique. Bande de lâches ! Ils ont peur de nous prendre de front ! Primark, on va avoir besoin de vous. Ça risque d'être difficile. Nos pertes sur Palaven ont été catastrophiques. On fait ça pour Palaven. On n'a jamais dit que ce serait facile. Qu'avez-vous en tête ? Une attaque combinée. Votre peuple frappe le moissonneur depuis les airs. Et Vrive, au même moment, vos soldats lancent une attaque au sol. Ensemble, vous pourrez l'éloigner de la tour. Oui, diversion. Petite équipe peut atteindre complexe du voile et synthétiser remède. Eve devra venir avec nous. On n'a jamais affronté un moissonneur d'aussi près. C'est bon pour tout le monde ? Si vous voulez notre aide, vous avez intérêt. Commandant, nouveau message marqué urgent. Je le mets en salle des transmissions. Dans la trace ? Shepard, nous savons que vous avez rejoint Tuchanka. Et j'imagine que Mordine vous a suggéré d'utiliser le voile ? Vous nous espionnez ? Nul besoin. Le voile est le seul plan d'action qui ait une chance de fonctionner. Commandant, ne laissez pas vos naïves affinités avec les Krogan obscurcir votre jugement. Croyez-vous sincèrement que guérir le génophage peut mener à une paix durable ? Nous devons laisser cette chance aux Krogan. On ne peut pas condamner une race tout entière sur de simples suppositions. Ce qui se passera, c'est que les Krogan prolifèreront dans tous les sens. C'est pour leur nature barbare que nous avons édifié les Krogan, pas pour leur talent de diplomate. Une nouvelle guerre est inévitable. Que voulez-vous, Dalatras ? Il y a des années, nos agents ont saboté le complexe du voile pour prévenir ce genre de revirement. Mordine devrait vite trouver et réparer la défaillance. Mais si vous l'en empêchez, cela compromettra la viabilité du remède qui restera sans effet. Nul ne verra la différence. Vous voulez que je roule les Krogan ? Inutile qu'ils en sachent trop. Laissez croire à Urnot Vrive que vous avez tenu parole. Mordine n'approuverait jamais ça. Je vous laisse vous occuper de lui, commandant. Nous mettrons à votre disposition nos meilleurs scientifiques pour construire le creuset, ainsi que l'ensemble de nos flottes. Si je sabote le remède... C'est à vous de voir, commandant. Réfléchissez bien. J'ai parlé aux autres clans. Ils se rassemblent dans les ravins, sur notre lieu de réunion sacré. On ira là-bas, et on dirigera un convoi blindé contre le moissonneur. Demain, la suprématie des Krogan sera évidente pour tous. Occasion rare d'améliorer opinion galactique sur Krogan, à utiliser sagement. Commandant, qu'est-ce qui vous trouble ? J'ai reçu un message de... Vrive, c'est Shangal Tourak. Les moissonneurs attaquent les ravins. Tenez-vous prêts au combat. Accrochez-vous, on y va. Shepard, couvrez nos flancs.
Je vais protéger les autres clans du feu ennemi. Tout le monde choisit une cible et surveille ses fesses. En avant! Les voilà! Avancez! Ne les laissez pas monter jusqu'ici! Général, on fait face à une véritable horde ici! Ça, c'est un début. Tous sauront que le clan Urdnot versa le sang des moissonneurs le premier. Pas le temps de se vanter. La frappe aérienne arrive. Femelle sauve, Shepard. Hâte toutefois recommandée. Santé défaillante. Qui a amené ce galarien sur Tuchanka? Ils ne sont pas les bienvenus. Plusieurs Krogan. Problématique? Il s'appelle Mordine Solus. Il vient vous aider à guérir du génophage. Vous ignorez ce que les siens ont fait aux nôtres. Vous n'étiez pas là, humain. Ils paieront pour le génophage, Turak. Mais pas avant que je l'ordonne. Vous pouvez rester là à retourner le couteau dans de vieilles plaies. Ou vous battre contre votre ennemi naturel et donner un avenir nouveau à nos enfants. Je choisis de me battre. Qui est avec moi? Je le suis. Et vous autres, vous en ferez autant. Sérieusement à la vengeance, Grieve. Ce serait un désastre pour notre espèce. Les nôtres sont faits pour la guerre. C'est ce qu'ils veulent. Et vous devez être le chef qui leur explique qu'ils ont tort. Krogan ont déjà mené guerre partout dans Galaxie avant. Résultat, génophage. Vous devez en tirer le son. Sinon, on partagerait sort de vos ancêtres. Et nos ancêtres pardonneraient-ils si facilement à leurs ennemis? Comment étaient les anciens Krogan? Tuchanka n'a pas toujours été comme ça. Autrefois, les Krogan étaient un peuple fier. Nous avions des rêves, un futur à contempler. Et Galarien intervenu? Non. Nous avons détruit Tuchanka nous-mêmes. La technologie nous a changés. Elle rendait la vie trop simple. Nous avons cherché d'autres défis, et les avons trouvés chez nos semblables. La guerre nucléaire était inévitable. Peut-être, mais ça ne donnerait à personne le droit de nous infliger le génophage. Vous serez pris dans un cercle vicieux si vous tentez de vous venger. Tant que le reste de la galaxie pensera que nous voulons nous venger, nous serons puissants. Ils nous craindront, comme les Krogan devraient être craints. N'avez-vous pas détruit les travaux de Maelon pour cette raison, Shepard? Mais quels sont vraiment vos projets, Vrive? Ce serait tout un discours. Commandant, dans la navette, vous vouliez dire quelque chose? La Dalatras a tenté de passer un accord secret avec moi. De quoi parlez-vous? Elle a dit qu'ils avaient saboté le voile il y a des années. Le remède sera sans effet à moins de le réparer. Il y a des années,
Nos agents ont saboté le complexe du voile pour prévenir ce genre de revirement. Sale petit pitchak sournois, elle croyait nous berner? À bon droit. Test probablement inutile, mais familier avec procédure GSI, peu ajusté. Pas venu de si loin pour rien. Vous avez évité un autre génocide à notre espèce, commandant. Juste au moment où commencer à vous haïr devenait amusant, Shepard. J'avais déjà choisi à quelle varenne j'allais vous jeter en pâture. Pourquoi nous arrêtons-nous ? Vous et Mordine restez avec Eve, c'est mal parti par ici. Maniez-vous. Comment on fait pour se battre s'il n'y a pas de route? C'est quoi le souci? La route est coupée, le convoi passera pas. Escadrille Artimec! Ici Shepard, nous avons perdu du temps. Retardez l'attaque. Négatif, commandant. Nous sommes en approche. Le moissonneur nous a repérés. La frappe aérienne seule ne suffira pas. Il faut y aller. Merde. Même si on doit construire une nouvelle route, on ira. Shepard! Je perds le contrôle! Je vais tomber! Entendu? Kalros, la mère de tous les dévoreurs? Quand les Krogan baptisent un dévoreur, vous savez que vous êtes dans la merde. Ils s'imaginent que personne n'arrivera à le tuer. D'autres Rakhni. Il doit y en avoir plus que ceux que nous avons tués. Brave, il y a des Rakhni ici. Ouvre l'œil. Je sais. Mais tout ce qui compte, c'est d'atteindre le voile. Bougez-vous. Enfin, de la lumière. Dans ma jeunesse, j'aurais adoré prendre le temps d'étudier ces ruines. On peut se demander où en serait les Krogan s'ils avaient pas fait sauter leur planète. On a réussi à sortir. Si vous pouvez voir la brume radioactive, c'est que vous avancez. Et de la verdure. Je croyais qu'il n'y en avait plus sur ce monde. Vous contemplez l'espoir. C'est tout ce qu'il en reste sur toute Shanka. C'était un monde vibrant de beauté. Avec de la chance, il peut le redevenir. Shepard, ce moissonneur interfère toujours avec le voile. Trouvez une sortie qu'on vient de vous chercher. En effet. Devant. Ce sera une autre affaire de s'occuper. Le calme ne dure jamais. Thank you.
cette bête Kalros. Ouvre l'œil. Ce n'est pas terminé. D'où nous sommes. Cette planète est un piège géant. Connaissant Vrive, il doit être en train de jubiler. Attention, en voilà d'autres, droit devant. Je les vois. Alarmé et abusé. Kalros vraiment très menace. Jura, call nous. Elle tourne toujours.
Shepard, on sème Galros. Descendez de là qu'on vous ramasse. Faites vite, Brive! On est à découvert ici! Bougez! C'est Calros! Bougez, Shepard! On est là, allez! Votre ami Krogan peut être vivant? Durak n'était pas un ami. Nous avons un moissonneur à gérer. Nous n'avons pas de plan. Je sais que nous avons déjà fait l'impossible. Mais atteindre cette tour, je sais pas, Shepard. On ne partira pas d'ici tant que le génophage ne sera pas éradiqué. Alors j'espère vraiment que cette idée est la bonne. C'est pas la mienne, c'est la sienne. Calros, attirons-la vers le moissonneur. Ça pourrait marcher. Stratégie déjà discutée. Il faut distraire moissonneur, l'éloigner de Tours pour synthétiser et diffuser traitement. On a traversé le relais Oméga 4 sans y laisser notre peau. On peut survivre à ça. Je ne pensais pas qu'un humain pouvait avoir autant de courage. Comment faire pour l'attirer ? La tour a été construite dans une arène consacrée à Calros. Les Galariens pensaient qu'elle effraierait les intrus. Apparemment, c'est réussi. Il y a deux marteaux à dévoreurs ici. Et d'une belle taille. Si vous pouvez les activer, vous attirerez Calros. Ça distraira le moissonneur. Entre-temps, laboratoire proche. Finir synthétisation du traitement. Et essayons de nous en tirer vivants. Ça nous ferait une belle histoire à raconter. Shepard! Tâchez de ne pas vous faire tuer. Battez-vous comme un Krogan et tout ira bien. Je m'en occupe. Allez-y! On se revoit de l'autre côté. Restez en vie, Shepard. Le remède sera prêt. Thank you.
Mordine. On commence à se faire déborder ici. Par la déesse, à gauche! Tout le monde va bien? Ça va. À peu près. Je crois. Merde, se faire canarder par un moissonneur? Prenez ça comme un entraînement. J'ai pas! Les marteaux sont levés! Il y en a deux! Vous devez les activer tous les deux! C'est sûr, au moins? Ne vous arrêtez pas! Restez à couvert! Je crois pas qu'ils se mettent à couvert, suffisent! Cul-de-sac! J'ai du mal à croire qu'on est en train de faire ça! Mauvaise route! Un peu occupé, Reeve. Il n'y a pas d'excuse sur toute Shanka.
Oui, chargée pour dispersion dans 2 minutes. Mais Eve morte. Qu'est-ce qui s'est passé? Stress beaucoup trop intense, gros traumatisme. Je voulais arrêter. Elle pas. Sa décision. Elle l'a fait pour son peuple. Femelle était élément stabilisateur. Si Vrive est seul chef, situation devient problématique. Merde! Salle de contrôle au sommet de tour. Je dois prendre ascenseur. Vous allez monter? Oui. Accès manuel requis. Je dois contrer le sabotage GSI pour assurer dispersion optimale. Mordine, tout va sauter. Il doit y avoir une autre solution. Contournement impossible à distance. Contre-mesure GSI active. Pas le temps d'ajuster remède selon variation thermique. Non. Pas d'autre option. Pas de retour. Conseil, partez vite. Explosion risque d'être... Mordine, non. Shepard, s'il vous plaît. Chose nécessaire. Besoin d'achever ça. Pour elle. J'aurais voulu voir conclusion, mais confiance en Shepard. Vous êtes fou, Mordine. Mais vous êtes un sacré scientifique. Merci pour compliment. Raison de ma présence ici. Risque d'erreur si fait par quelqu'un d'autre. Sécurité classique. Protection standard. Excellent travail. Oui, oui. La température est désormais correcte. Dispersion initiée. Génophage éliminé. Krogan libre. Nouvelle ère pour nous tous. Nous confions sa dépouille au vide. De son vivant, elle a affronté notre pire ennemi avec bravoure. Pour la mort, elle n'est pas moins que le sauveur de son peuple. Que son courage alimente les flammes de l'espoir. Elle est maintenant la véritable mère de toute Shanka. Il n'y a pas de guerre sans funérailles. Je regrette sa mort. On ne sait jamais qui survivra à une guerre. En général, ce sont les plus forts. Mais sans les recherches de Maelon, elle n'avait aucune chance. Et dommage pour le Pidjack, Mordine. C'est ce qu'il aurait voulu, c'est certain. Où qu'il soit aujourd'hui. Je suis sûr qu'il parle de nous en bien. Dommage, il n'était pas Krogan. L'histoire ne peut pas dire qu'un Galarien a mis fin au génophage. Alors qui? Le seul Krogan qui restait.
Ma renommée dépassera peut-être la vôtre, Shepard. Peu importe. Vous avez tenu parole, je ferai pareil. Dites aux Turiens que nous sommes très heureux de venir leur montrer comment gagner une guerre. Les Krogan ont déjà éliminé un moissonneur, non ? Vous avez fait du sacré boulot, commandant. Guérir le génophage, je ne pensais pas voir ça un jour. Vrid a accepté d'aider les Turiens, amiral. Nous devrions avoir leur soutien. J'en déduis que nous pouvons faire une croix sur les Galariens. Le prix de leur soutien était trop élevé. Soit, je m'en remets à votre jugement, commandant. Nous tâcherons de nous passer d'eux. Fin de transmission. Commandant, Urnot Vriv a envoyé des troupes sur Palaven. Vous avez tenu parole. Maintenant, c'est mon tour. La hiérarchie turienne soutiendra les humains contre les moissonneurs. Je suis heureux qu'on puisse s'entraider. C'est notre seule chance de vaincre les moissonneurs. Voilà qui est bien parlé. Plusieurs bâtiments en cale sèche peuvent aider à la construction du creuset. Garrus va les coordonner. Entendu. Et le moment venu, l'ensemble de notre flotte sera prête à défendre la Terre. Que les esprits veillent sur nous tous. Je m'occupe de gérer l'appui turien tout de suite. Vous devez être épuisé. La mort de Mordin, ça doit pas être facile. Je dormirai quand je serai mort. Pour gagner une guerre, il faut avoir les idées claires. On n'a pas le droit à l'erreur. Vous devriez aller faire un somme. Je veillerai à ce que Joker ne lance pas de mission suicide. Au moindre incident, faites-moi signe. C'est ouvert. Shepard, il y a quelque chose que vous devez savoir. Très bien. Je tombe mal. Ça va. Dites-moi ce qui se passe. Le conseiller galarien veut vous parler au plus vite. Elle a appelé la salle des transmissions. Le Conseil doit prendre le creuset vraiment très au sérieux. Je vous retrouve en bas. Commandant,
Je peux vous aider, conseiller ? Shepard, vous devez comprendre que je vous dois ma position et que c'est une chose que je prends très...